Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Deus Ex The Fall. On va continuer tranquillement nos missions à Panama, au Panama. Et on était revenu à la clinique puisqu'on avait l'origine de l'importation de ce qui est censé remplacer la neuroposine, mais qui n'est pas aussi fiable et qui a l'air d'avoir des effets plutôt désagréables secondaires, apparemment de ce que nous disait le médecin. Et donc il fallait. Anna, it's Ben. Good news, it's done. There should be a package headed your way. Thank God, Ben. I've been getting the shakes real bad. A couple more days without a dose. Listen, I want you to take the maglev into San Jose first thing and check the PO box. Will do. What about you? You're not coming back? Not just yet. The doc who set up the new POS contact seems to think there's a bell tower pilot who can help figure out this mess. I'm on my way to meet her now. Ben, you don't have to do that. This isn't our problem. I'm just going to check it out. I have to, Anna. If I don't, more people could die. I can't let that go. Ok, nous on va aller donner un coup de main. C'est vrai que j'ai jamais été par ici. Ok. Il y a des choses. Bon, j'imagine qu'on ira plus tard. Je les vois mal mettre des lieux dans lesquels on n'ira pas d'une manière ou d'une autre. Surtout pour un jeu de petite ampleur, hein. Je rappelle, c'est un jeu téléphone portable à la base, qui a été porté sur Steam un peu plus tard, mais voilà, c'est un jeu qui est très court en comparaison de Human Revolution ou la suite Mankind Divided. Donc je pense pas qu'ils aient fait des lieux en mode vous y irez pas dans ce lieu là quoi. Donc il fallait qu'on se rende dans cette boîte de nuit dont on a obtenu l'accès premium VIP. Comme vous voulez. Et cette personne s'ambiance beaucoup trop. Hop. Not so fast. You need a pass to get into Nightshades. Welcome to Nightshades. Voilà. On aurait pu frapper, on aurait pu passer de différentes manières, on aurait pu s'infiltrer aussi dedans. Mais vu qu'on avait demandé un trafiquant de nous donner sa carte, eh bien on peut y pénétrer de manière tout à fait classique. D'accord, là il y a des objets, il y a des choses. Ok. On prend, hein, ça redonne de la vie. Vous voulez pas, madame? Apparemment non. Alors, c'est pas cool hein, ce que je fais, mais là tout de suite j'en ai certainement plus besoin. C'est à lui que je dois parler. Ok, c'est parti. Hey, can I buy you a drink? A gentleman. À elle. I'll have a shot at you don't know me and a dash of get lost on the side. That's funny because I just spoke with the bartender and he's all out of get lost. Your bell tower, right? Sky Division pilot? Most of the hard bodies in here are PMCs. Fit right in. You a merc? My name's Saxon. I used to run a strike team for Bell Tower. Used to? What happened? Let's just say my last mission didn't end well. Yeah, you guys get the tough gigs, huh? But it looks like you made it out mostly intact. What doesn't kill you? Keeps you awake at night, right? I'm Alex Vega, working flight ops all across the sector. You've got the right attitude. So, what's a nice girl like you doing as a private military contractor? Beats army service. Pay is good and I have my own VTOL, but you gotta watch your back down here. You know what I mean?
Yeah, I hear you. This place is the goddamn Wild West. Locals will knife you as soon as look at you. Things were different when I worked for the company. We were professionals. We didn't go around dealing drugs to street gangs. I got nothing to do with that, and you should forget about it too. Maybe you get off on kicking a hornet's nest, but some of us know better than to stir up that kind of trouble. Even when your gut tells you otherwise. Especially when your gut tells you otherwise. Something's got you rattled. What's wrong? I don't have eyes in the back of my head, that's the problem. You think someone's after you? It's not personal. I'm the one ferrying VIPs around the city, and if someone wants to snuff them out, I'm just collateral damage. I've got a target on my back, see? I might be able to help, if you tell me what you've heard. Just rumors, mostly. Bell Tower has a contract with XNG Shipping running security for rising shipments going through the Panama Canal. But I heard some of the guards were actually taking a cut and selling it to gangbanger street dealers. Rising is still in clinical trials. Even Lim doesn't have it yet. That's gotta be a problem for someone. The World Health Organization has opened an investigation and sent their top inspector here to check it out. And guess who they got flying him all over the damn place? And if someone wants him to have an accident? I crash and burn with him. But I can't go up the line on this. I don't know how deep it goes. And it doesn't sound too good. A pilot warning her client that her own company may be out to kill him. So you want to help a girl out? I'll help you, but you have to be straight with me. You gotta warn the inspector about the danger he's in. That way it doesn't connect back to me. And then I'll owe you one. Maybe I'll let you buy me that drink. Where can I find him? He's staying at the Hotel Atana downtown. Top floor in the VIP suite. The whole floor is under lockdown and heavily guarded. Look, you seem like a straight arrow, and I'm a pretty good judge of character. Plus, I don't got a lot of options here. I'm gonna give you my clearance codes. That'll let you bypass the locked doors on the VIP floor, including access to the inspector's private room and the rooftop helipad. Don't make me regret this. Don't worry. You can trust me. I'll do what I can. Ok. Bon, bah je me suis un petit peu planté sur un choix de réponse. J'hésitais. Les deux pouvaient fonctionner, je pense, mais... Bah, avaient l'air de fonctionner, mais bon... Ça s'est pas forcément très très bien... Mais après, ça s'est quand même très bien passé, donc ça va. Hop, je récupère le crédit. C'est quoi cette boîte de nuit où les gens laissent traîner des crédits? Mais non, mais je veux pas te parler, je veux choper le cocktail gratuit, là. Enchant. Donc ça, je pense que c'est une autre entrée. Peut-être par la rue ou un truc comme ça. On va pas plus se perdre que ça. C'était juste pour voir s'il n'y avait pas des choses intéressantes à récupérer, un kit de dynamisation, ce genre de choses. Ce qui me fait penser, est-ce que je pourrais pas en acheter un 2500. J'ai que 1200. Ça coûte super cher. Attends, apparemment j'en ai un. J'utilise. Attends, on va le laisser descendre lui. Ah non, il y a marqué utiliser. Ok. Donc non, j'en ai pas. Alors pourquoi il met... Ah, c'est parce que j'ai un point... Ok, ok. J'avais pas compris.
Est-ce qu'on pourrait prendre... Ouais, on va prendre ça. Lui, il faut qu'il se barre. Je suis pas sûr que j'ai le droit d'être là, en fait. C'est pour ça que j'attendais. Ok. Bon, on va ressortir et on va aller faire ce qu'elle nous a demandé. Donc là, j'ai pris la capacité qui permet de bouger les objets lourds. Ce qui peut être toujours très intéressant pour s'aménager des passages plus silencieux. Et qui peut esquiver les gardes, un petit peu détourner, tout ça. Parce qu'on joue dans la discrétion, hein, je le rappelle. Et en non létal. Alors, l'hôtel, c'est ceci. Ok. Eh bien, on y va. Ce truc, à chaque fois, il sort son arme. Dès que tu changes une zone, c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu dommage, quoi. Alors, notre objectif, il est par là. Est-ce qu'on n'a pas des choses... Ok, ça a l'air d'être des gardes. C'est les toilettes. D'accord, ça déplace comme ça. Oups. Je suis dans les toilettes pour femmes. J'ai l'impression que c'est un endroit où je devrais pas être. Pour l'instant, on va la jouer tranquille. On a les accès, on n'a pas besoin de... faire n'importe quoi. Ouais, donc ça c'est les bureaux, donc non, je pense pas. Pour l'instant, je vais me contenter de fouiller les endroits où j'ai le droit d'aller. Et quelques petits trucs hein, qui peuvent être intéressants. Lui, il prend beaucoup trop de plaisir à uriner. Voilà, des petits crédits. On voit le succès. Quoique vous le voyez peut-être pas popper. Le succès augmenté. Ok. Ça, c'est fait. Il y a vraiment des crédits partout. Mais jamais suffisamment pour vraiment faire la différence. J'ai l'impression que les prix sont assez abusés, je trouve. Donc je sais pas s'il y avait une mécanique en mode... ça a l'air d'être un bureau, ça, non? Non, on peut rentrer. Donc je sais pas s'il y avait une mécanique de monétisation un peu, peut-être un peu agressive. Je sais pas trop. Non, ok, il y a un mec qui les a entrés. 96-03. Ah non, d'accord, c'était pas un bureau, ce que je pensais être un bureau. Voilà, allez, on monte. 96-03, ça nous servira certainement pour la sécurité ou quelque chose comme ça. Non, range ça, toi.
Calme-toi. On n'est pas des excités de la gâchette. En tout cas dans ce jeu. Doris à Panama, je vous laisse faire la pause et lire. Oui, alors là du coup maintenant, moi j'ai envie de tout pirater. Je commence ici. Je dois aller au-dessus. Sachant qu'on a mis tous les points, hein, donc ça va super vite, comme vous pouvez voir. Et un succès accompli. Donc là j'imagine que peut-être on peut casser le mur ou un truc comme ça. Alors, je suis vraiment désolé d'avance. Mais je vais quand même pirater toutes les portes. Salut Monique, désolé de ne pas avoir écrit plus tôt, je suis toujours coincé à Panama. Pourquoi les éditeurs ont décidé de tenir leur salon ici? Je me le demanderai toujours. Bref, mon choix pour le jeu de l'année est Final Fantasy 27. Rendre cette distinction japonaise était la bonne chose à faire. Bon, on n'y est pas encore, hein. On attend toujours le 16, qui a l'air très très cool. Attends, ah, petite sauvegarde, parce que je sais pas trop si je peux me faire choper. En... donc là-haut. Sachant que plus le niveau hein, du nœud est élevé, plus on a de chances de se faire choper. Et plus ça prend de temps à pirater. Après je pourrais aller chercher le... les ressources, tout ça, mais je suis pas sûr que ça change quelque chose. Peut-être que pour le prochain, on essaiera, on verra. On verra si ça fera... si ça donne des choses cool. Monsieur Sass, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'un coffre soit placé dans votre chambre avant votre arrivée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Blablabla, il voulait un coffre, ok. Il y a des crédits qui traînent ici. Ah, là on se fait choper direct, donc on va aller... on va aller directement à la sortie. Access granted. Cadence de tir, crédit. Et voilà, on a eu le succès pilleur. Ah, là il commence à avoir quand même des poux crédits à choper. Cette ventilation nous mène où? Une sauvegarde déjà. Range 5. Ok, il y a un truc électrifié par ici. Alors moi j'aimerais bien des kits de dynamisation. Toujours sympa d'avoir plus de pouvoir. Bah là il y avait une bouteille à te servir hein, si tu voulais un verre. Du coup je pars d'où? Je pars de là. Sensibilité du joystick est beaucoup trop grande. Ouais, 75 crédits, c'est pas ouf, quoi. Access granted. C'est pas la folie. Non, c'est pas les toilettes que je veux. Non. Juste la pierre. Voilà, merci. Des virus, ça peut être utile. Donc, où est-ce que je suis? Ah mais d'accord, je suis juste là. Je pourrais prendre la porte ici.
Alors, je suis désolé, ça prend du temps. Ouais, non, ça sert vraiment à rien. Access granted. Plus à mon avis, le jeu est pas assez long pour que ce genre de petits bénéfices fasse l'affaire. Alors pourquoi je cherche du soin et tout alors qu'on joue discret? C'est parce qu'il n'y a qu'une seule sauvegarde rapide, donc si je me plante, on est obligé de prendre quoi que ce soit. On est obligé de prendre la sauvegarde rapide comme ça a été dans l'épisode 2. Donc au cas où qu'on se fasse tirer dessus et que je me plante dans les touches. Je préfère avoir un petit peu de soin. J'étais très surprise d'apprendre ta situation, je tenais à te dire que s'il te faut quoi que ce soit, je serai là pour toi. Je me suis tenu au courant des nouvelles à Panama et je pensais que la police avait repris le contrôle du crime organisé des gangs. Est-ce que quelque chose a été arrangé? En plib, Jerry me dit... Ok. C'est du lore. Ok. On a tout fait là, là c'est un journal. Ici, organiseur. Chers occupants, nous ne savons pas vraiment comment vous parvenez à assez mouiller le verrou pour le détruire, mais nous en avons encore une fois installé à nouveau. Le code est 1702. Veuillez ne plus faire quoi que ce soit qui les détruise, bien que nous aimions faire des paris sur le liquide mystère qui les case. Ces verrous électroniques sont chers et difficiles à remplacer. Merci. Entretien de l'hôtel Etana. Ok, il y a des gens qui... J'ai pas trop compris ce qui se passait. Mais c'est pas grave. Donc on va prendre les escaliers. L'inspecteur a l'air de jumper sur vous. Je pense qu'il est perdu. Vraiment? Je pensais qu'il était juste toujours comme ça. Off limits, buddy. Out of here. Ah. On m'a dit non. Ah, super. Alors, le truc c'est qu'on m'a dit non. Il y avait un endroit avec un tuyau, mais il y avait de l'électricité. Je sais plus où est-ce qu'il est. Là. Soit redescend. Je vais mourir si je fais ça. Ok, je viens de faire un truc de bourrin. Mais c'est passé. Hop. Bon, je pourrais repartir par là. Déjà pas mal. Arrête. Who's there? This is a restricted floor. You're not allowed up here. Inspector, you need to listen to me. Your life is in danger. Are you threatening me? Stay back. I have bodyguards right outside. I'm here to help you. You're investigating the missing Rising shipments. I have evidence implicating people inside the Bell Tower PMC. I know what Bell Tower is doing. It's all in my reports. Sapphire Biotech is producing a flawed product, and Bell Tower is covering it up, hiding the bodies. But I'm being stonewalled. I can't even get approval to inspect Sapphire's facilities in Australia. Someone in the WHO must be in on this. My reports have been discredited. People are dying down here. That can't be ignored. I know. That's why I'm going to go public.
I'm sending my report to Picus. Once Eliza Kassan broadcasts it on the nightly news, everyone will know the truth. No! Don't! Saxon. Don't hesitate! Kill the traitor! Sam? It can't be. Yeah, we've got multiple incoming hostiles. Exfiltrate now. Alex, it's Saxon. The inspector's been assassinated. What the hell happened? It was a black ops hit. Stay where you are. Your life may be in danger. I'm coming back for you. God damn it! You're dead, asshole! Je l'ai pas vu. Donc Sam, c'est un des membres de notre unité qui s'est fait descendre. Bon, on va en passer ça. Who's there? This is a restricted floor. You're not allowed up here. Inspector, you need to listen to me. Your life is in danger. On peut pas passer, bon. Are you threatening me? Donc du coup le mec Stay qui back. Arrive. I have bodyguards right outside. Ouais, sont un peu forts, je parlerai après. You're investigating the missing Rising shipments. I have evidence implicating people inside the Bell Tower PMC. I know what Bell Tower is doing. It's all in my reports. Sapphire Biotech is producing a flawed product and Bell Tower is covering it up, hiding the bodies. But I'm being stonewalled. I can't even get approval to inspect Sapphire's facilities in Australia. Someone in the WHO must be in on this. My reports have been discredited. People are dying down here. That can't be ignored. I know. That's why I'm going to go public. I'm sending my report to Picus. Once Eliza Kassan broadcasts it on the nightly news, everyone will know the truth. No! Don't! Saxon. Sam? It can't be. Yeah, we got multiple incoming hostiles. Exfiltrate now. Alex, it's Saxon. The inspector's been assassinated. What the hell happened? It was a black ops hit. Stay where you are. Your life may be in danger. I'm coming back for you. God damn it! Donc je disais, Sam, en fait, rappelez-vous, au début du jeu, on apprend que notre personnage avait fait une opération avec Bell Tower, qui s'était fait piéger, mais il avait perdu toute son équipe, et Sam était un des derniers en vie, et dont il regrettait notamment la mort. La mort pesait beaucoup sur sa conscience, à notre personnage. Et du coup... on le pensait mort, et là il apparaît, apparemment les tyrans en français, l'ont récupéré et en ont fait un de leurs agents. Normalement le rôle que devrait jouer notre personnage Saxon. Et normalement on va pouvoir sortir tranquillement, je pense. Pas marqué d'alerte. Non, attends, hop, voilà. Juste être sûr qu'il va pas sortir son arme totalement en descendant de l'hôtel alors qu'il vient d'avoir une explosion. Anna, are you there? We have a big problem. The tyrants are here in Panama City. What? Are you certain? They just murdered a man right in front of me, so yeah, I'm certain. They're too close. It can't be a coincidence. Don't go back to the safe house. Get out now. Okay. But what are you going to do? Don't worry about me. Just stay off the grid. I'll contact you when I can. Good luck, Ben. Bon, on va déjà aller chercher celle qui est dans la boîte de nuit. Ce sera déjà pas trop mal. Bon, apparemment, je n'ai pas mis trop les gens en alerte qu'il y ait une explosion en haut d'un hôtel. Pourquoi pas? Peut-être que c'est courant. En tout cas, nous, ça nous profite, hein, ça nous évite d'avoir, de devoir repasser de manière discrète un peu partout. Et on peut aller plus vite à notre objectif.
How did he die? He was gunned down in his hotel room, right in front of me. This was a top-tier operation. But I think they were surprised to see me there. They? You know who did this? I've got a pretty good idea, yeah. Madre de Dios. The murder of a government official on my watch. Bell Tower will run an internal investigation, and I'm gonna be on the short list for enhanced interrogation. They're gonna make it look like I was in on it. Shit! You need to get out of town. Get your VTOL and get away, as far as possible. I can't. Bell Tower has my aircraft under constant surveillance. They'll pick me up the second I get to the hangar. Suppose their surveillance equipment were to suddenly malfunction. I see what you're getting at, but it's impossible. Security's too tight. Let me worry about that. Where's the hangar? Right here in the heart of the city. Bell Tower maintains a covert forward operation space. But the access point is concealed. How do I find it? You're taking a lot of risks for me. What's in it for you? Let's just say you're not the only one with a gun to their head. Now give me the details. We don't have a lot of time. All right. You can enter the base through a concealed access point in the XNG data processing facility. It's part of Bell Tower's contract. XNG provides the cover, and they provide the muscle. I have a new recruit pass you can use to get inside. But then, you're on your own. And there's a hell of a lot of hard cases in there. You think you can deal with them? I can handle the opposition. But I'm gonna need something else from you, Alex. If I free your bird, you have to take me with you, wherever I want to go. Deal? Guess I don't have a choice, do I? Have you seen this man? Yeah. He came in here 5 minutes ago. Shit. They followed you from the hotel. You have to get out of here. Use the back door so they won't see you. Don't worry about me. Go. Go! Ok. Ça que sert les conduits. Oh là, il a rien vu. Il n'a rien vu. Lui, il va faire dodo. Comme les textures. Range ça. Alors, tac tac tac. Plus rapide, bah ça va être par là, hein, tout simplement. Ouais, non, c'était pas nécessaire. Access granted. Voilà. Quand même. Quand même fouiller les lieux, on sait jamais. Hein. On a vu que la vie c'était intéressant quand on veut. Quand on veut. Attends, on voulait pas ça. Non, non, ils m'en veulent pas. Quand on veut un petit peu forcer sur des endroits un peu compliqués. Ah, attends, ça c'est la sortie. Donc à faire, hein, c'était gratuit. Access granted. Okay. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais pas avoir le temps. Access granted.
Ok, Benicio, n'essaie pas plus de me joindre directement, comme je t'ai déjà dit, nous avons des agents ici à XNG qui enquêtent sur nos livraisons au bureau tout comme aux entrepôts. Ils essaient de découvrir où sont passées les marchandises volées sur le canal. Des agents de Peltower surveillent aussi des cargaisons. On ne va donc plus pouvoir envoyer de marchandises ou de femmes pendant un temps. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Les choses reviendront à la normale, je te l'assure, mais en attendant, tu vas devoir te détendre à ce propos et me faire confiance, Rich. Richie, je t'ai pas vu au club récemment, il y a de nouvelles putes depuis la dernière fois, j'ai essayé de t'appeler la semaine dernière dans Réserve Samonis, tu sais que nous en faut pour contenter nos clients de la haute et pour que les autochtones ne s'agitent pas trop. Peux-tu appeler cette semaine ou même passer au club pour qu'on discute, Benny? Et bon, il y avait du trafic, hein, tout simplement. Ça, ça va se déclencher. Ouf, 45 secondes, bon ça. Ah! C'est pas bon, on va faire le tour. Ok. Yes! Tactique policière. Je vous laisse lire. Je prends les crédits. Sauvegarde. Du coup, on a deux points à mettre. Dans quoi on va pouvoir les mettre? Système de camouflage, hein. Ça m'a l'air pas mal, ça. Donc ça, c'est la sortie. Ouais, mais non, en fait. Ça, ça nous ramène... Oula, petit freeze. Ça nous ramène au club et on veut pas y retourner. Bon, on va sortir par ici. Je crois que j'avais déjà débloqué la grille qui permet d'y accéder. Exact. Donc on peut sortir. Est-ce qu'il me recherche? Ou c'était juste dans le club? Ouais, non, c'est bon. On peut se promener tranquille. Et bien, je pense qu'on va s'arrêter devant le bâtiment dans lequel on va devoir s'infiltrer. Je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Et que ben, le bâtiment dans lequel on doit aller va être certainement assez long. Ça va être un niveau à part entière, donc il va falloir... Oh tiens, que de savoir ce qu'il y a là-dedans, moi. Des fois il y en a deux hein, qu'il faut désactiver. Niveau 4, ça peut être intéressant comme récompense. Ça va passer. Ça va être juste. C'est passé. C'est passé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des fléchettes, on a des crédits, on a un virus et on a une grenade. Ok. C'est pas trop mal. Ouf, niveau 5. Est-ce qu'on tente sa chance? Ouais, ça devrait le faire. C'est pas très compliqué, ça. Munition d'arbalète, des crédits, une poubelle qui a rien. Ah, ça je veux. Ça je veux. Du coup, on va déjà augmenter le camouflage. Je sais plus comment on active. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Vu qu'on active les compétences par contre. Parce que j'ai pris le camouflage mais... Je sais pas comment l'utiliser.
Bon, bah, je regarderai ça pour le prochain épisode. Nous, on va s'arrêter ici. Voilà, donc comme je le disais, je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter avant d'aller dans un niveau qui sera certainement un petit peu long. Sinon, après, l'épisode va être beaucoup trop long. Là, on est bien. On a fait pas mal de choses. On a bien avancé. On s'est bien infiltré aujourd'hui. Voilà. On a bien réussi. Que demander de plus, si ce n'est que de continuer tranquillement cette petite aventure de l'univers Deus Ex. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.